C'est bon, le logiciel de mon spectacle fonctionne. Je peux le rejouer le 17 mai. Avec Rémi, on reteste mon spectacle. Je ne l'ai pas joué depuis plus d'un an et demi. Et en fait, je le joue la semaine prochaine pour une entreprise. Et donc, vraiment, on se rappelle de... Putain, mais c'est fou si c'est le Wi-Fi qui faisait que ça marchait pas. Je suis sûr, hein. Ah, mais il faut qu'on soit sûr pour jeudi, quoi. Ah oui. Clic, là. Demain, on joue dans une salle privée, dans une société, le spectacle que j'ai pas fait depuis un an, Rémi non plus. Et en plus, le logiciel bug, il marche pas. Et je sens qu'il fallait pas le faire. Voilà. Ça va tout merder. Ça marche pas. Ok, ça marche. Ok. Ça va être un super... Bon, on vient de finir de tester le spectacle, ça va, mais... Il y a des sketchs que je maîtrise mieux que d'autres, quoi. Donc, il faut que j'influence le public demain pour faire mes sketchs. J'ai tellement plus de force que j'arrive pas à me lever de mon canapé pour aller dans mon lit pour dormir. Ah bah lui non plus. Voilà, voilà, c'est aujourd'hui à 19h que je rejoue mon spectacle que je n'ai pas joué depuis un an. Ça fait des semaines qu'on répète à nouveau avec Rémi. On a peur surtout que la technique nous lâche. Alors pour me donner du courage, je bois une noix de coco à poil. Voilà, j'ai fini ma noix de coco. Maintenant, il faut la laver. Pour le micro, et je vais pas penser au micro ce matin. Bon, il y a ça embarqué aussi, et je dois passer à la poste. Ok, bon ben, je crois qu'on est prêt pour le spectacle. Non, je vais retourner chier parce que putain, je stresse. Un t-shirt pour me changer quand je vais transpirer après le spectacle, en espérant que je transpire. Voilà, je crois que j'ai tout, et je crois qu'il faut y aller, et je crois que voilà. Voilà, voilà. Captain America à la mer va faire son spectacle. Captain America à la mer. Voilà, il est 14h30 et on arrive pour les répétitions du spectacle dans le quartier le plus lol de Paris, le quartier de l'humour, le quartier où il y a tous les cafés-théâtres, la Défense. Voilà, je vais jouer là ce soir. A priori, il y aura plus de gens. Dans la tour Sony, les amis. Bon, il paraît qu'il n'y a pas de PlayStation gratuite à avoir. Je suis deg. Faut vraiment que je demande où sont les toilettes. Parce que je pense qu'il va falloir que j'y aille beaucoup. Effectivement, si on a quelqu'un qui connaît le lieu, c'est bien. Hein, ça marche pas. Ça marche pas. Avant, on avait des problèmes juste de Wi-Fi, on n'a pas testé encore, mais... là, c'est juste le son. En plus, je suis vraiment con parce qu'on me fait choisir la date et je sais que les 17, c'est les jours qu'il faut, où il faut pas que je fasse des trucs. Et je dis oui, le 17, c'est bien. Et voilà quoi. Et là, ça marche pas. J'ai un bad truc avec les 17, quoi. Ah ouais, ouais. Ou bien, mais en tout cas, il se passe des trucs les 17, quoi. Et voilà. Ah, bonjour, bonjour, le micro marche pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Allô? Allô, ça ne marche pas. Ça marche pas ici non plus. Allô, allô? Pas de son. Pas de son, pas d'image, on est super, on est bien. Ah! Le son! Ok, on a l'image. Maintenant, il faut qu'on arrive à connecter l'ordinateur en régie et l'ordinateur que j'ai sur scène. Bon, quasiment tout fonctionne, sauf qu'on n'a pas le son de l'ordinateur, donc aucune musique. Ah non, bah non, bah je vais pas trop te déranger, c'est juste que là, pour le spectacle du Davy, je crois que je suis filmé en plus par Davy lui-même. On a un problème, on n'arrive pas à avoir le son de l'ordi, et on a une belle table de mix où on nous a dit, bah là j'ai un micro, la prise mini jack que tu branches dans l'ordi, ça marche, mais... Voilà. Allez, Davy te filme. Bonjour Davy, j'ai bien un petit casque, comme ça je peux continuer à faire des trucs avec mes mains pendant que je te parle. Voilà. Donc on a... Tu me montres ce que t'as comme câble. Alors, qui on a ça, mais ça, ça ouais. C'est en fait, c'est, tu vois, c'est cette salle. Donc normalement les gens se branchent au pupitre et ont un truc. Mais on nous a dit quand on se mettait sur PC3, normalement PC3, je le branche sur l'ordi
et je peux avoir du son là. Par contre, là où c'est censé sortir en son PC, j'ai rien qui rentre. Tu vois, t'as des petits signaux là, pic ou signal. Normalement, j'ai un truc quand il y a quelque chose qui rentre dans la table. On est d'accord, ça veut dire ça. Déjà, il faudrait être sûr de savoir où ton câble il est branché physiquement sur la table. Bah, c'est, je sais pas ça, parce qu'en fait, après, il part. Tu peux regarder derrière la console. Si ouais, tu un peu vers toi. Il part dans des gaines en fait de partout dans tous les sens. Ah, oui, d'accord, c'est au-dessus même. Ouais, tu vois là. Derrière, c'est sur le dessus. Ah, tu vois là, j'ai ça. Mais après, tous ces câbles, là, les sons qui sont en 15-16, donc je vais sur 15-16 ici, c'est ces deux-là, c'est des gros jacks. Et ils partent dans tout ça, dans toutes ces gaines de câbles qui vont après dans des méandres de trucs et qui vont là. Et après, je crois qu'ils descendent là et qui vont à la régie, qui est là-bas. Okay. Enfin, qui vont pas à la régie, qui vont à la, là-bas au pupitre. Mais le son en boucle sur l'ordi, déjà, avec du volume. J'ai mis un son en boucle là, voilà. Une belle chanson qui passe. Maintenant tu vas appuyer, donc a priori ça revient sur la tranche 16, c'est ça? C'est la tranche, ouais, normalement, enfin, moi en tout cas on m'a dit que c'était son PC, donc qui est sur la tranche 16, 15-16. Vas-y doucement, c'est les deux. Déjà elles sont on. Oui. Alors tu vas cliquer sur, refais voir, monte en haut, tout en haut, là où il y a 15-16 de marqué au niveau des entrées. C'est 15-16, c'est là. Ok, voilà, bouge pas. Ok, alors, tu vois le two-track là, il est enclenché. Celui-là ? Désactive, ouais. Voilà, non, ça, peut-être ça module. Ouais, ah oui, module, là j'ai un truc qui module, ouais. Mais il y a le son. J'ai le son. Tu nous as sauvés. Regarde. Tu vois, c'est toujours une histoire de un bouton. Bonjour. Ah putain, merci Clément. Voilà. Putain. Regarde, c'est sur cette belle musique de James Blunt, on est très content. Tu l'entends pas, mais c'est ça, c'est You're Beautiful. Voilà, c'est une chanson. Ouais. Voilà. Merci Clem, hein. Merci beaucoup. Bah, voilà. En fait, bouton two-track, ça veut dire qu'il écoutait l'entrée two-track de la console, qui est les entrées qui sont à côté en RCA. D'accord, ok, ouais. Au lieu d'écouter ton entrée ligne, voilà. Ok, super, merci Clément, tu nous as sauvé la merci. Vie. Merci. Bah, voilà. Bon courage pour ce merci. Soir. Oui, merci. Bon courage à toi. Ciao. Au revoir. Bye. Ça, connaître des spécialistes, c'est quand même pas mal. L'enfer. Allô, monsieur l'ordinateur, est-ce qu'on m'entend à la régie? Non? Oui? Il n'y a pas vraiment de loge, donc je dois aller me cacher dans le petit coin là, en attendant le spectacle. Sauf qu'il y a un petit problème, la salle est noire, et quand je viens là, il y a une cellule automatique. Donc ça veut dire que la salle sera dans le noir, et moi je serai là, dans la lumière. Oui, attends, je filme quelqu'un qui va mourir. Après, ou peut-être pas, je sais pas. J'ai l'impression que c'est d'être des journalistes qui filment des enfants qui meurent et qui font rien, tu vois, en même temps. Juste pour faire le buzz. Ah putain, faut que j'en remette, je crois. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas assez épais. Donc on sait pas, attends, ça va s'éteindre et on va voir. Tout fonctionne, le son, la lumière, tout ça, sauf que maintenant, le Wi-Fi, merde. C'est-à-dire qu'au milieu du spectacle, ça bug et il y a des musiques qui se lancent, on sait pas d'où elles viennent, etc. Il est 17h42, je joue à 19h. Tout simplement. Afin d'éviter toute remontée d'odeur désagréable, merci de prendre soin de vous tenir à proximité des cellules infrarouges, afin que l'écoulement soit dans l'urinoir. Attends, les mecs ils pissent d'ici? Pour pas être dans l'infrarouge? Voilà, j'ai joué un spectacle, du coup j'ai transpiré des pieds, et donc ça excite mon chat. Parce qu'il adore ma transpiration. Et vous voyez là, il sait plus quoi faire. Soit il me mord, soit il se lèche, soit il me mord, soit il me se lèche. Calme-toi, putain! C'est juste de la transpi, hein. Ouais. Calme. Ah, putain! Bon, au moins, il y en a un qui a aimé le spectacle, quoi. Voilà. Le spectacle est fini. Je suis épuisé. Ça fait au moins 2 jours que je stresse pour le spectacle, et cet après-midi, mais comme vous avez pu voir, c'était une galère, mais rien ne fonctionnait. Même pendant le spectacle, c'est la première fois de ma vie que autant de trucs merde. Je crois que c'est pendant trois fois on a relancé les tablettes, le truc et tout ça, le relié à l'ordinateur, le wifi, ça marchait pas. C'était la dernière fois que je joue anecdote, c'est clair. C'est fini. Plus jamais. Voilà. Plus jamais. Bonne nuit. Bonne nuit. Vas-y, mords-moi les pieds un peu. Non. Non, les mains, d'accord. Tu fais mal, t'as des griffes.
connard. Putain, mais ta langue, mais t'as vraiment l'air d'un cul, putain. T'as l'air d'un cul. T'as l'air d'un cul. Abonne-toi à ma chaîne, si tu veux. Si tu veux. Et regarde ces vidéos. Si tu veux, je force à rien. Je suis comme ça.